bonjour et très heureuse de vous retrouver. La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales a bel et bien ouvert ses portes depuis hier 1er juillet 2024. Alors, au cours de cette journée inaugurale, le Seigneur s'est puissamment manifesté. Dès sa prise de parole, le pasteur Boniface Meynier a bien signifié le sens premier de cette croisade, qui est une rencontre de délivrance, une rencontre de salut, une rencontre de foi, une rencontre de bénédiction, une rencontre de victoire, une rencontre de pardon, de miséricorde, une rencontre où la compassion de Dieu se manifeste, une rencontre où la communion fraternelle devient une réalité. Alors, nous avons pu recueillir les impressions de cet infrère. Écoutons. C'est ma deuxième participation. Moi, c'est la sœur Sandrine qui vient de Saint-Mélima, depuis le Cameroun. Ce qui m'a marqué aujourd'hui, ça commence à nos habitudes. La puissance manifeste de Dieu parmi nous. Les miracles visibles de Dieu parmi nous. Donc, j'ai été très touchée. Et comme c'était juste une entrée en matière, on se dit que ce qui est devant est encore plus que magnifique. Je suis le frère d'équipe Kwame Modeste. Nous sommes un jour ouvrables. Et vu ce grand nombre de personnes, je vais dire ces bases qui ont refusé le monde parce qu'il y avait assez de monde. Il y avait du monde jusqu'à même, je dirais, des personnes qui n'étaient même pas sous la bâche. Il y a eu de l'affluence. Et je puis dire que c'est une ouverture réussie. Donc que Dieu vous bénisse. Et je sais que le Seigneur a de très bonnes choses pour nous, pour cette croisade. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le frère Bélingua Ismaël. En fait, c'était un grand événement qu'on attendait. Vraiment, nous avons été beaucoup édifiés par les enseignements du pasteur et par les prières. Après avoir fait un travail sur le renversement des idoles, et nous voyons même que Dieu nous avait parlé depuis longtemps. Et nous croyons que nous serons bénis. Vraiment, nous avons été édifiés, vraiment très contents de ce premier jour. Et nous espérons encore que le Seigneur encore va se réveiller à nous pour les meilleurs jours. Je suis le frère Nadie Boli Albert. Je suis de la zone spirituelle d'Anyama. Vraiment, c'était un grand moment. Un grand moment pour le fait que, non seulement c'était le premier jour, mais avec le monde que je vois, les témoignages que j'ai écoutés, et en même temps, vers la fin, le message qui a été libéré m'ont fait un grand bien. Cela s'ajoute les différents témoignages sur les guérisons. Vraiment, c'était le comble. Que le Seigneur soit béni. Bon, je pense que les impressions sont très bonnes. Je suis le frère Jérémy Kwakoukan, missionnaire à Grand Bassam. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont venues. Les prières ont été très intenses. La délivrance, comme habituellement, se sont opérées. Il y a beaucoup de démons qui sont sortis de beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de témoignages des anciens renversements des principautés, des anciennes croisades. Et puis, il y a eu même des témoignages aujourd'hui encore. Nous sommes rentrés de plein fouet même dans la bataille. Et donc, je suis tout heureux d'avoir participé à cette première croisade. Je suis très heureux et content de constater que pour la toute première journée, qui n'est même pas d'ailleurs un week-end, un jour ouvrable, premier jour de la semaine, avec toute cette foule-là, vraiment, je suis heureux et content. Ça veut dire que l'esprit de la croisade est déjà là. Et le Seigneur nous a même précédé sur les lieux. C'est ce qui fait ma joie. Très bien passé, content, la prière bien donnée, les témoignages bien passés, et je pense que c'est déjà bien.